Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle invitation au voyage qui devrait vous conduire une fois de plus de surprise en surprise. Si je vous dis qu'à Cherbourg s'est jouée une partie de la guerre de sécession, vous me croyez ? Vous avez intérêt car nous serons aux premières loges pour assister à une bataille navale qui oppose deux visions de l'Amérique. À Monaco, il n'y a pas que des voitures de luxe et des casinos, nous vous montrerons l'autre facette, moins clinquante, de la principauté, avec l'un des plus grands musées océanographiques du monde et un site méconnu de fouilles préhistoriques. C'est un prince qui est derrière cela, un prince qui adorait la science, on lui rendra hommage dans l'héritage. Et puis au Cap-Vert, on prendra du couscous au petit déjeuner, là-bas on le mange sucré avec un café, sa recette, vous l'aurez dans Papille. La devinette, pour commencer. Savez-vous pourquoi dans la ville indienne de Jodhpur, les habitants peignent leur maison en bleu ? Attention, ce n'est pas n'importe quel bleu, hein, c'est de l'indigo. Ici, on en trouve partout. Pas seulement sur les murs des maisons d'ailleurs, mais aussi sur les vêtements ou dans les temples. Les Indiens l'utilisent depuis plus de 5000 ans. Je vous expliquerai pourquoi en fin d'émission. Allez, pour l'inspiration aujourd'hui, on s'élance sur la route dans l'ouest du Canada. C'est la romancière Nancy Houston qui va nous prendre en stop dans l'Alberta. Nancy Houston, bien avant tout le monde, elle a pris fait et cause pour les peuples autochtones, sur cette terre où pourtant les cow-boys sont rois. Dans les contreforts des Rocheuses, là où les montagnes s'effacent devant l'immensité des Grandes Plaines, commence le périple de Paula et sa lente remontée vers les générations qui l'ont précédée. Je vois une route qui traverse la plaine en une courbe infinie et le soleil qui l'écrase, qui t'écrase toi contre l'asphalte, la pierre pulvérisée et le goudron. Tu es aplati enfin sur cette plaine, une cicatrice à peine perceptible à sa surface. Son grand-père vient de mourir et Paula l'imagine comme faisant partie de cette route d'asphalte. Elle va essayer de lui redonner vie et de comprendre ce qu'il y a sous cette surface lisse et ennuyeuse. C'est le point de départ du roman. Publié en 1993, Cantique des plaines est le quatrième roman de l'écrivaine canadienne Nancy Houston. Féministe et écologiste, l'anglo-saxonne est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages, dont Ligne de faille, récompensée en 2006 du prix Femina. Dans Cantique des plaines, Paula, la narratrice, plonge dans les souvenirs d'un grand-père défunt, prénommé Paddon. C'est l'œuvre la plus personnelle de la romancière. Exilée à Paris depuis l'âge de 20 ans, Nancy Houston se confronte pour la première fois à la terre de son enfance, l'Alberta, une province aux prairies gigantesques où l'on glorifie la virilité des cow-boys et leur rodéo. Elle révèle ici une part sombre de l'histoire du Canada, celle des Premières Nations décimées par les colons, à travers l'amour interdit entre un blanc et une femme du peuple Blackfoot. C'est ainsi qu'est arrivé ton père, un des premiers, un gamin irlandais têtu qui avait grandi dans la pauvreté crasse en Angleterre et qui, s'étant ruiné dans l'élevage de vaches laitières, a sans doute sauté à pieds joints sur l'espoir de l'or à gogo dans le Grand Nord. C'est au bord de la Cowboy Trail, cette route mythique de 700 km qui traverse la région du nord au sud, que se sont implantés les légendaires ranchs de l'Alberta. À la fin du 19e siècle, les pionniers venus d'Europe transforment ces prairies vallonnées où vivent depuis des millénaires les Premières Nations en terres d'élevage pour le bétail. Le ranch représente l'éviscération de la province des plaines pour que l'homme blanc puisse installer sa culture stérile.
Ces pionniers sont ceux qui ont pris la terre aux Premières Nations, qui l'ont « civilisée », entre guillemets, alors qu'en réalité, ils l'ont aplatie. Les pionniers étaient vus par les Blancs comme les mythiques fondateurs de la province. Mais pour Nancy Houston, qui est plus du côté de la passion et de l'art, et donc des Premières Nations, ils sont responsables d'avoir vidé les plaines des prairies de toute cette âme. Tout comme la romancière, Padon, le héros de Cantique des Plaines, grandit dans cette atmosphère qui brutalise sa sensibilité. Padon, comme Nancy Houston, s'avère être allergique à tout cet univers du ranch, aux chevaux, aux bœufs. Et en plus de ça, il a des parents qui sont des cow-boys. Alors il voudrait qu'il soit un Albertain typique, un macho viril. Brûlé dans la chair de ton cerveau était l'image d'une vache en train d'être marquée au fer rouge. Pauvre bébé Padon, tu devais avoir moins de 2 ans. À travers ce petit garçon, Nancy Houston évoque ses propres blessures d'enfant en Alberta. Quand elle avait 6 ans, sa mère l'a abandonnée. Et cela a engendré une expérience traumatisante énorme. Quand elle regarde cette campagne lisse et plate, elle y voit une métaphore de la façon dont elle s'est protégée de son passé et du traumatisme de sa mère qui l'a quittée. Au cœur des Grandes Plaines, l'âge d'or des pionniers fait éclore la capitale économique de l'Alberta, Calgary, la ville natale de Nancy Houston. C'est là que le jeune Padon, désormais âgé de 12 ans, est emmené par son père pour célébrer le tout premier Stampede, un festival de rodéo auquel la romancière assiste dans les années 50. La ville était devenue folle. Un quart de million d'êtres humains déferlaient en une vague sans fin pour fêter leur bonne santé physique et financière. La force et la virilité de leur jeune pays, le fabuleux folklore de l'Ouest. Si vous êtes ici pendant le Stampede, vous devez vous procurer au minimum un chapeau de cow-boy, car cela change tout. Il y aurait des fanfares, des artistes de rue. Vous iriez sur les terrains avec des billets pour le rodéo ou simplement pour vous promener là où il y a des manèges, des buvettes, des bars. Je te vois ahuri par le brouhaha et la bousculade, l'odeur rance du fric et du fumier, la sueur des hommes et des bêtes, l'accordéon et le banjo. Et là-dessus, les nœuds dans ton ventre se défirent d'un coup, et tout ce que tu t'efforçais de retenir fut dégorgé. Tu dégobillas en te tordant. En 1912, c'est ici qu'a eu lieu le premier défilé. C'est une scène incroyable dans le roman, une scène très intense. Il y a ce garçon de 12 ans, et son père a déjà commencé à boire, alors que ça n'est que le début de la journée. Ils viennent ici, ils sont serrés dans la foule lors du défilé. Et c'est tout nouveau. Il y a des chars et des chevaux, et la communauté indigène a été spécialement invitée. On a dû assouplir les règles, parce qu'à cette époque, ils n'étaient pas autorisés à sortir des réserves. Véritable institution, le Stampede célèbre la domination des Blancs. L'humiliation du peuple Blackfoot se transforme en spectacle. Il y avait des centaines et des centaines d'Autochtones venus des réserves alentour des Blackfoot. Ils étaient dans ces costumes d'apparat, en plumes, avec tout le folklore qui va avec. Vous pouvez imaginer ce garçon de 12 ans au milieu de tout ça. C'était la première fois qu'il voyait des Indiens. Cette critique de l'aliénation des Premières Nations prend bientôt toute sa force à travers un amour clandestin.
Là où le fleuve venu des Rocheuses se fond dans la rivière des Grandes Plaines, apparaît Mokinstis, un lieu sacré du peuple Blackfoot, là où la ville de Calgary est née. La vie de Padone, devenu professeur d'histoire, marié et père de famille, bascule quand il rencontre Miranda. Une femme qui a de la peinture dans les cheveux. C'est une métisse, sinon une indienne à part entière. Ses cheveux sont longs, épais et ondulés, noirs et enchevêtrés. Elle attrape ton regard et tu attrapes le sien. Vos regards se fondent l'un dans l'autre et tu t'arrêtes net. Jamais, Padone, tu ne te serais attendu à une telle chose. Tu l'aimes, voilà tout. Je peux voir certains parallèles avec ma propre expérience. Ma mère n'est pas autochtone, elle est tombée amoureuse de mon père qui est un Blackfoot. Et elle a vécu avec mon père dans la réserve pendant plus de 20 ans. Alors je comprends leur connexion à travers la culture, mais aussi à travers l'histoire. C'est aussi ce qui permet de tomber amoureux de quelqu'un. Le personnage de Miranda, Blackfoot, peintre, femme libre, livre aux descendants des pionniers une autre version de l'histoire de l'Alberta et de celui qui fut érigé en héros pour avoir négocié avec les Premières Nations, le Père Lacombe. Toi, Padone, tu ne connaissais que trop bien le Père Lacombe, idole et modèle de ta sœur depuis toujours, et à entendre Miranda le traiter de missionnaire à la con, tu t'es pâmé de joie. Ce missionnaire à la con avait déjà passé 30 ans de sa vie à nous améliorer. Il parlait notre langue. Il avait le doigt sur notre pouls mourant. J'adore la façon dont elle fait référence au Père Lacombe. C'est un nom que Padone connaît depuis l'école. Et quel choc il a dû ressentir quand on l'a traité de missionnaire à la con. Et c'est donc un tel contraste d'imaginer que Padone, qui a mis cette personne sur un piédestal, entend soudainement une perspective différente et peut ainsi voir l'histoire sous un autre angle que celui qui lui a été enseigné. Au cours des deux années suivantes, le passé de Miranda se volatilisa peu à peu, comme ces minces flaques miroitantes qui s'évaporent sur le sable à marée basse, ou comme un dessin qu'aurait lentement effacé une main invisible. Miranda, qui perd ses souvenirs et perd ses propres histoires, c'est une métaphore du génocide culturel des Blackfoot. Tout ce qui fait son identité, c'est sa mémoire, son passé et ses histoires. Ces choses disparaissent progressivement. De la même manière que les Blackfoot ont été décimés par les maladies et que la culture autochtone disparaît lentement. Tout ceci ne pourra jamais être récupéré. De la même manière que Miranda ne sera plus jamais capable de retrouver ses souvenirs. Avec le personnage de Miranda, Nancy Houston est l'une des premières écrivaines à évoquer l'horreur des pensionnats autochtones. Jusqu'en 1996, soit 3 années après la sortie du roman, des dizaines de milliers d'enfants des Premières Nations ont été soustraits à leurs familles pour les assimiler dans la culture chrétienne. À la tombée de la nuit, la skyline de Calgary se dresse comme une nouvelle conquête de la civilisation blanche. Les sièges des sociétés pétrolières de la ville, exploitant dans l'Alberta du Nord le sol de Fort McMurray, représentent ici le nouvel asservissement de toute une partie de la nation canadienne. Calgary représente l'avenir, non seulement pour la famille de Padone, mais aussi pour celle de Miranda. Sa fille travaille avec son père à Calgary, dans l'industrie pétrolière. Nous savons que lorsque Nancy Houston est revenue en Alberta, il y a quelques années, elle a visité Fort McMurray. Et elle voit la destruction qui s'est produite sur la terre là-bas. Alors elle écrit des articles, et même un nouveau roman maintenant,
qui parle de la façon dont l'air a été pollué, le sol détruit, et tout ça pour de l'argent. C'est donc une autre façon pour l'homme blanc de détruire les terres des ancêtres. Ce n'est que lorsqu'on aura abattu le dernier arbre, empoisonné la dernière rivière et pêché le dernier poisson, qu'on se rendra compte que l'argent ne se mange pas. L'alcool fort est aussi l'un des symboles des cow-boys. Et Thomas Chauvineau vous propose un cocktail que je vais vous laisser tester pour moi. C'est le clin d'œil. Buvez-le rapidement, buvez-le lentement, mais vos lèvres doivent toucher l'orteil. C'est la curieuse consigne que donne le barman de l'hôtel Danton à Dawson City dans le Yukon, un territoire du nord-ouest du Canada, plutôt sauvage. Sauvage donc, l'est aussi la recette de ce cocktail star servi dans cet hôtel qui consiste en un, tenez-vous bien, verre d'alcool fort, généralement du whisky, et un orteil humain. Oui, un orteil humain momifié et préalablement déshydraté dans du sel pendant quelques mois. Plus léger que l'alcool, il flotte dans le verre, d'où ce conseil du barman, buvez-le rapidement, buvez-le lentement, mais vos lèvres doivent toucher l'orteil. Et bon courage! Une fois que vos lèvres ont touché l'orteil, bravo! Vous faites partie du Cocktail Club. Le Sourto Cocktail étant le nom de ce breuvage à la recette assez simple. Le club compte tout de même environ 100 000 membres, courageux, inconscients ou passablement éméchés au moment des faits. Quoi qu'il en soit, il paraît que boire ce cocktail vous secoue des oreilles aux orteils. L'inventeur de cette recette, c'est lui, Dick Stevenson, alias Captain Dick. Il en a l'idée saugrenue dans les années 1970 quand il tombe dans un chalet sur un orteil conservé dans de l'alcool. Décédé en 2019, il a fait un leg au bar de l'hôtel, ses 10 orteils, merci à lui, car la vraie difficulté de cette recette, vous vous en doutez, c'est de se procurer l'ingrédient principal qu'on trouve assez rarement dans les supermarchés. Heureusement, Capitaine Dick, du temps de son vivant, a pu compter sur la générosité de ses clients. En 2018, un Britannique qui avait dû se faire amputer 3 orteils après une course éprouvante dans cette région glaciale en a fait don à l'établissement. Il est d'ailleurs revenu déguster son cocktail avec son gros orteil, un cocktail qu'il aurait, selon ses déclarations, particulièrement apprécié. On pourrait presque dire qu'il a, en partie, pris son pied. Yacht, palace, belle voiture, casino, ça c'est l'image qu'on a tous de Monaco. Eh bien, cette image, un homme a voulu la casser. Et il a réussi à marquer la principauté de son sceau. Je vous laisse le découvrir dans l'héritage. Cent ans après sa mort, il habite encore la principauté. À chaque coin de rue, devant chaque monument, dans chaque jardin, on tombe nez à nez avec lui, Albert Ier. Tout un paradoxe. Dans ce Monaco extravagant, avec ses souverains showbiz et people, c'est lui le prince sobre, discret et passionné par les sciences jusqu'à l'obsession qui a le plus marqué l'histoire. Lorsqu'il accède au pouvoir à la mort de son père Charles III, à la fin du 19e siècle, il hérite d'un état minuscule, étrange, bancal, mêlant une population locale, rurale et pauvre, à des étrangers fortunés, attirés par le casino et le luxe, avec tous les excès imaginables. Albert Ier hait cette image sulfureuse de sa principauté et décide de la transformer. Toujours à la pointe de la modernité, à la pointe de la technique, le prince Albert a apporté un autre esprit à la principauté, sans complètement délaisser les jeux, mais il a voulu intellectualiser la principauté, la rendre attractive sur le plan culturel, sur le plan artistique, mais aussi lui donner l'image d'une ville complète. En 30 ans à peine, le prince Albert réussit à faire de son petit rocher cercle de jeux un état moderne, berceau des sciences et de l'écologie, promoteur de la paix au début du XXe siècle.
Dans l'est de la principauté, le fastueux quartier de Monte-Carlo est le symbole de ce Monaco du milieu du 19e siècle. Jusque-là, le petit État affiche un visage bien différent. 5 fois plus grand, s'étendant jusqu'à la frontière italienne actuelle et très rural, vivant principalement de la culture des agrumes et des olives. Mais en 1848, tout bascule. En 1848 se produit un événement européen, le printemps des peuples, qui modifie, qui bouleverse la géopolitique d'Europe. Et la principauté de Monaco perd à cette époque les deux villes importantes de son royaume, que sont Menton et Roquebrune, qui se déclarent villes libres et qui vont finalement être annexées par la France. Donc la principauté se replie sur son bout de rocher, en quelque sorte, sans aucune ressource. Il faut s'imaginer Monaco à cette époque-là comme étant un lieu répulsif. Accidenté. Monaco, c'est seulement le rocher, avec beaucoup d'ailleurs de pauvreté. Pour éviter la banqueroute, le père d'Albert, Charles III, décide de miser sur l'un des hobbies de la haute société de l'époque, le casino. Les jeux d'argent étant interdits en Italie et dans le sud de la France, il y voit l'occasion d'attirer des touristes fortunés, souhaitant mêler farniente et roulette. Sur une sorte de terrain vague, appelé Plateau des Spélugues, il fait construire le nouveau centre de sa principauté, un nouveau quartier appelé le Mont-Charles, Monte-Carlo. Ces falaises, elles n'étaient pas très accueillantes, un peu fades. Eh bien, on va renverser tout ça, on va commencer à y construire le casino, on va ensuite y construire l'Hôtel de Paris, on va en faire un lieu de tous les luxes et de toutes les centralités. Alors, comme un symbole, la première pierre, c'est le futur prince Albert Ier, qui va la poser. 6 mois de travaux ininterrompus, avec plusieurs centaines d'ouvriers qui travaillent nuit et jour, avec même un système d'éclairage pour travailler la nuit. Donc, tout est très moderne. Le casino est inauguré en 1863. Le futur prince Albert, qui n'a que 15 ans, voit alors affluer dans sa principauté toutes sortes de nouveaux visiteurs haut en couleur. Je sens fait, rien ne va plus. Il y a ce côté un peu sulfureux qui va faire de la principauté une sorte de tripot où viennent s'agréger tout un ensemble de personnes, parfois riches d'une manière tout à fait avérée, et parfois des aigrefins, des rastaquaires, des personnalités douteuses qui vont un peu graviter autour de ça. Plus en retrait, solitaire, Albert ne voit pas d'un bon œil l'évolution de sa principauté. Il n'était pas dans les mondanités, il ne développait pas forcément un intérêt particulier pour ce qui était Monte-Carlo, qui était finalement l'œuvre de son père. Dès son accession officielle au pouvoir en 1889, Albert Ier inaugure une nouvelle ère. Monaco sera désormais une principauté moderne, avec des routes asphaltées, un hôpital, un lycée, à la pointe du progrès. Car le nouveau souverain a une grande passion, la science, qui l'assouvit notamment à une 30aine de kilomètres de Monaco. À la frontière entre la France et l'Italie, le bien nommé hameau de Grimaldi s'étend à flanc de falaise. Il a gardé le nom des ancêtres d'Albert Ier, qui l'ont cédé aux Italiens. Mais une petite partie, creusée dans la roche, est encore aujourd'hui territoire monégasque. Avec le coucher du soleil, les roches deviennent rouges, d'où les noms de Balzirossi, Rocher Rouge, Baussé Roussé en patois. En fait, ça rassemble une douzaine de sites. Au début des années 1890, le prince Albert Ier fait l'acquisition de l'une des cavités des Balzirossi, la grotte du Pont Romain, renommée très vite Grotte du Prince. Le prince Albert Ier s'est tout de suite intéressé, quand personne n'y croyait, à l'origine de l'humanité, aux premières inhumations, aux premières peintures dans les grottes. Il y a tout de suite cru. Et Albert Ier, le prince savant, est venu à la fin du 19e siècle fouiller lui-même quand il était jeune et a repris comme prince souverain de grands chantiers de fouilles. La grotte était recouverte de sédiments, elle était complètement remplie. Ça faisait à peu près 21-22 mètres quand les premiers fouilleurs sont arrivés ici. Donc ils ont descendu tout ça
entre 1895 et 1902. Pendant une dizaine d'années, le prince et ses équipes examinent la grotte, centimètre par centimètre. Très à cheval sur la rigueur scientifique, Albert Ier met au point une méthode de travail stricte, inédite en cette fin du 19e siècle. C'est très novateur parce qu'à l'époque, ce n'étaient pas des professionnels ou des scientifiques. Donc on fouillait pour fouiller, on regardait le bel objet, on cherchait par exemple la pièce la plus remarquable ou la plus caractéristique et on laissait de côté les autres. Lui voulait que tout soit noté, relevé, mis sur plan, photographié, conditionné. Donc c'est vrai que le prince Albert Ier a amené quelque chose par rapport à la recherche en préhistoire et à l'interprétation surtout. Dans ces balzires aussi, sont faites les découvertes paléolithiques les plus importantes de toute la Méditerranée. C'est un des complexes les plus connus dans la préhistoire mondiale, puisqu'il y a énormément de vestiges paléolithiques qui ont été retrouvés. On a retrouvé à l'arrière de la grotte un reste humain de pré-néandertalien, daté de 220 000 ans, avec des restes d'animaux très variés. Donc différents climats, on va avoir de l'hippopotame par exemple qui se promenait par ici, ou encore des éléphants, des fragments de mammouth, du renne, du renard polaire dans la région. C'est comme ça qu'on se rend compte que le paysage, l'environnement a beaucoup changé avec les cycles climatiques. Mais pour le souverain, la science n'a d'intérêt que si elle peut être partagée avec le plus grand nombre. Il tient à faire de ses sujets un peuple éduqué, et éclairé. Alors sur le rocher, à quelques centaines de mètres seulement du casino et des établissements de luxe, il entreprend de bâtir toute une série d'institutions scientifiques, notamment un monumental musée océanographique. Il veut vraiment construire ce qu'il va appeler le Temple de la Mer, un vaisseau ancré sur le rocher pour célébrer les découvertes et aussi le diffuser auprès d'un large public. C'est pas seulement un affichage ou un marketing politique, c'est une vraie sincérité, un vœu qui lui est cher, qui est de faire de son petit état en fait un lieu de réflexion, de pensée, de diffusion du savoir, autant de créations qui permettent le rayonnement d'un petit état. Après plus de 11 ans de travaux, grâce à des techniques très pointues mêlant pierre et métal, le symbole du Monaco version Albert sort de terre en 1910. 6000 mètres carrés, 85 mètres de haut, il y a des contrats techniques, on a un flanc de rocher. Ce bâtiment, il y a un des trois plus grands édifices avec la cathédrale qui est à côté et le palais, bien évidemment. Au milieu des collections qu'Albert Ier a rapportées de ses propres expéditions, le prince organise colloques et tables rondes de toutes sortes, à destination de tous les publics, dans une salle qu'il a imaginée spécialement pour ces occasions. Alors c'est un lieu emblématique, cette salle des conférences du musée océanographique, où le prince Albert Ier va organiser toute une série de manifestations, de congrès, qui font du musée océanographique un lieu d'échange, de savoir, de rencontre et de diffusion de la science. Donc c'est un décor avec des motifs marins sur ce plateau à caissons. On voit également le magnifique blason des Grimaldi, accompagné tout autour des monogrammes du prince Albert Ier. Au cours de ces congrès, le prince partage une idéologie nouvelle, peu commune à l'époque, fondée sur l'écologie et la préservation de la planète. Il serait exagéré de faire de lui un écologiste au sens contemporain du terme, dans la mesure où les enjeux déjà ne sont pas les mêmes à son époque, qu'il n'y a pas l'urgence climatique que nous connaissons aujourd'hui. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il a une conscience environnementale très forte. Il a une conscience de la nécessité de préserver le vivant sous toutes ses formes. Il prône, fur et à mesure de sa vie, une chasse raisonnée. Il critique le braconnage dont il est témoin. Et il va même, à la fin de sa vie, dénoncer les excès de la surpêche. Mais Albert Ier voit plus grand. Au-delà de son attachement à la science, il veut aller plus loin dans son engagement vers un monde meilleur. Marqué par la guerre de 1870, lors de laquelle il a combattu dans la marine aux côtés de la France, il rêve d'une paix généralisée et durable. Le prince voulait quelqu'un d'utile à l'humanité depuis son petit micro-État,
qui avait la chance, disait-il, de ne plus entretenir de forces militaires, de ne pas avoir de budget militaire, d'être désintéressé en quelque sorte dans les relations internationales, et donc de pouvoir se consacrer ainsi à cette œuvre de rapprochement entre les pays d'Europe marqués à l'époque par les nationalismes. Le prince Albert est persuadé que le salut de la planète passe par un meilleur dialogue entre les États. Dans la petite chapelle Saint-Honoré, à quelques centaines de mètres du palais princier, il installe en 1903 son nouveau projet pour le monde. Une organisation avant-gardiste destinée à prévenir les conflits, l'Institut international de la paix. Et en ce début de XXe siècle, le prince se donne une mission, peut-être un peu trop ambitieuse, éviter une nouvelle guerre. Dans les années qui ont précédé la Première Guerre mondiale, il avait essayé de promouvoir l'idée de coopération entre la France et l'Empire allemand. Il avait essayé de jouer un rôle d'intermédiaire, de médiateur presque, dans les crises diplomatiques qui avaient pu éclater entre les deux pays. Le prince, qui a surestimé son influence, le vit comme un échec personnel. Mais son action n'a pas été complètement vaine, insufflant une nouvelle vision du monde basée sur la coopération entre États. À sa mort en 1922, sa petite principauté s'est métamorphosée, prenant une dimension inattendue sur la scène internationale. Un siècle plus tard, elle s'appuie toujours sur ce souverain populaire, figure morale et digne, apportant un fond de légitimité à ce qui est souvent considéré comme une monarchie de paillettes. Récemment, on est nombreux à avoir fait notre propre pain, hein. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont déjà pilé du maïs pour faire de la farine? Vous allez voir, il faut prendre le coup de main. La variante sucrée du couscous, c'est avec Kiminta, qu'on rejoint tout de suite au Cap Vert pour Papille. Bon dia. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans la communauté de Rabelados et nous allons parler un peu de notre culture et notamment de la farine de maïs qui sert à faire le couscous. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir ça, peut-être que vous saurez le faire demain. Car nous avons appris cette recette depuis tout petit. Il y a longtemps déjà, nos mères broyaient le maïs, le lavaient dans l'eau pour qu'il soit bien propre, le broyaient à nouveau, puis faisaient avec ça le couscous qu'elles nous donnaient à manger. Pour commencer, on met juste un peu d'eau pour piler. Le but est de faire ressortir le tourteau, le faire sécher, le remettre une fois à piler, le faire encore sécher, et c'est bon. On le met comme ça dans un panier pour le séparer de l'enveloppe du maïs. Puis on le donne aux cochons. Oui, depuis toute petite, je le fais comme ça. Étant donné que ça prend beaucoup de temps, nous avons déjà de la farine toute prête. Normalement, on doit le broyer, le mouiller, le remettre au pilon, le broyer encore, ça prend des heures. Donc, pour aller plus vite, nous avons déjà de la farine. J'ajoute un peu d'eau. On doit maintenant enlever tous les grumeaux. Avec la farine de blé, ça ne fait pas ça. C'est seulement la farine de maïs qui donne des grumeaux. Ajoute-moi de l'eau. Ça, c'est prêt. Je mets du sucre. Si tu veux, tu peux le faire sans sucre. Mais attention à ne pas en mettre beaucoup, sinon ça va déborder. Alors tu ne dois pas dépasser sa mesure. Ça, c'est la préparation du bindi. Yes.
En faisant comme ça, c'est la vapeur qui va cuire le couscous. Ça sera prêt dans 10 minutes. Voilà, notre couscous est prêt ici à Rabelados et nous allons pouvoir le déguster. Stasabi, ça veut dire que c'est bon dans ma langue maternelle, le créole. On peut manger le couscous avec du lait de vache, du lait de chèvre, avec du thé. D'autres le prennent avec du café, mais aussi avec du lait acheté en magasin. Allez, je vous emmène à Cherbourg maintenant. On va assister à une bataille navale dont l'écho s'est fait entendre à 6000 km des côtes du Cotentin, jusqu'aux États-Unis. C'est l'incontournable. À l'extrémité de la presqu'île du Cotentin, Cherbourg a grandi avec la mer. Repérée par Vauban pour sa position stratégique, la plus grande rade artificielle d'Europe a toujours vécu au rythme des flots. Le théâtre des fameux parapluies est surtout un port à l'activité débordante, où petits et grands apprennent à apprivoiser l'océan. Incontournable Cherbourg, qui cache une toute autre histoire. Celle d'un très célèbre épisode de la guerre de Sécession. Oui, oui, la guerre civile américaine. Jackie Deken a écrit un livre sur cet épisode historique étonnant. C'est au sommet de la montagne du Roule, perchée à 117 mètres au-dessus du port de Cherbourg, qu'il a choisi de nous le raconter. 11 juin 1864, arrive à Cherbourg un corsaire, l'Alabama. C'est arrivé est vraiment un événement, mais ça fait événement. Pourquoi ? Parce que l'Alabama est devenue une sorte de célébrité. Nous sommes à moins d'un an de la fin de cette guerre qui divise l'Amérique, notamment sur la question de l'esclavage. Dans le nord des États-Unis, les partisans de l'Union, abolitionnistes. Dans le sud, les confédérés qui n'entendent pas se passer de la main-d'œuvre noire gratuite. Le CSS Alabama est un bâtiment de guerre à la solde des sudistes, avec à sa tête un certain Raphael Semmes. Le commandant Raphael Semmes est un redoutable combattant, mais c'est un vrai raciste. C'est-à-dire que quand il se déplace dans différents pays, il juge la qualité de la population à la clarté de sa peau. Un capitaine raciste, mais efficace, qui pose bien des problèmes à l'ennemi. Il a mis par le fond plus de 50 navires à destination de l'Union. L'objectif de Semmes, c'est de détruire les ravitaillements et les marchandises à destination du nord des États-Unis. Avec le CSS Alabama, il sème la terreur en mer de Chine, dans l'océan Indien ou encore en Atlantique, déjouant depuis des mois les recherches des navires de l'Union qui le poursuivent avec ténacité. Le grand rêve d'un chasseur de corsaires, c'était de couler l'Alabama. Et parmi les chasseurs de corsaires, le navire Kearsarge, commandé par le commandant Winslow, qui est quelqu'un totalement à l'opposition de Semmes. C'est quelqu'un qui n'est absolument pas flamboyant, mais qui fait son boulot. Semmes a déjà échappé à Winslow, au large de Gibraltar. C'est donc sans encombre qu'il rentre à Cherbourg ce jour de juin 1864, en provenance d'Afrique. Ils mettent des canots à l'eau et le commandant de l'Alabama, Raphael Semmes, va rencontrer l'amiral préfet maritime. Il va lui faire une demande très précise. Comme son bateau est un peu fatigué, il a besoin d'entrer dans l'arsenal pour le faire réparer. Seulement, entrer dans l'arsenal, c'est une décision qui dépasse et de loin une décision d'amiral préfet maritime. Ça revient à l'empereur
Donc c'est l'attente. Le CSS Alabama est donc tranquillement ancré à l'abri de la grande digue de Cherbourg, attendant patiemment le feu vert de Napoléon III, lorsque survient un coup de théâtre. À quelques encablures, apparaît l'USS Kearsarge, commandé par Winslow, l'ennemi juré de Semmes. Le CSS Alabama est pris au piège. La bataille est inévitable. Raphaël Semmes a décidé de déclencher le combat le dimanche matin. Je pense que c'était fait pour que la population puisse voir le combat. La période où le CSS Alabama arrive à Cherbourg correspond avec l'inauguration du casino et avec l'ouverture récente de la gare. Cherbourg s'ouvre au tourisme et les premiers visiteurs ne vont pas regretter leur venue. Les pêcheurs cherbourgeois qui savaient ce qui allait se passer faisaient la retape à la gare pour dire, si vous voulez, on vous transporte sur la digue pour que vous puissiez voir le combat. 2 ans auparavant, Semmes a perdu un navire dans des circonstances similaires. Il est donc bien décidé à ne pas subir la même humiliation. Après de rapides préparatifs, le duel peut commencer. Le 19 juin, dimanche matin, la population se rassemble sur les hauteurs autour de Cherbourg. Parce que l'Alabama a commencé à allumer ses feux à 6 heures du matin. Les choix tactiques commencent. Il faut calculer la force de la marée, la direction du courant et du vent, afin de prendre l'ascendant sur son adversaire. Contre toute attente, l'Alabama sort par la passe de l'Ouest et se dirige à vive allure vers son adversaire du jour. Raphaël Semmes est le premier à tirer. Il a un canon redoutable, un canon dit de 100 livres, et c'est un canon qui n'est pas un canon lisse, et donc ça lui donne de la précision. Avec ces mêmes canons, le sudiste peut aussi tirer des obus, dont l'explosion est réglable grâce à une minuterie. À un moment, l'Alabama a réussi à envoyer un obus dans l'étambot de son adversaire. L'étambot, c'est ce qui soutient le gouvernail. Mais la fusée n'a pas fonctionné. Ce combat, qui s'est terminé par la défaite de l'Alabama, aurait très bien pu tourner en sa faveur. Le Kearsarge finit par couler son adversaire. La pièce de l'obus qui aurait pu donner un peu d'air au sudiste est encore visible aujourd'hui au musée naval de Washington. 4 navires civils, français et britanniques, recueillent quelques dizaines de survivants sudistes, avec parmi eux le capitaine Semmes. Sous les eaux de Cherbourg reposent à jamais les restes de la carcasse du CSS Alabama. Alors, est-ce que vous avez trouvé pourquoi en Inde, dans la ville de Jodhpur, les habitants peignent leur maison avec ce bleu? C'est de l'indigo. Eh bien, c'est pour se protéger de la chaleur. Une méthode simple, mais efficace. Les maisons sont recouvertes d'un mélange de chaux et de bleu indigo, une couleur qui permet non seulement d'absorber la chaleur, mais aussi de retenir la fraîcheur à l'intérieur des habitations. Ce qui est plutôt utile quand on habite dans une ville où les températures peuvent atteindre les 60 degrés en été. Bon, a priori, ce sont mes mains qui vont être protégées de la chaleur. Je vous dis, pespalte.